Yo les potes, c'est Détection Friends, on se retrouve depuis un sacré moment. sacré moment. Du coup, on va vous présenter tout ce que j'ai trouvé depuis à peu près 2 mois, 2 mois et demi, depuis qu'on a arrêté les vidéos, tout ça. Explique pourquoi on avait arrêté aussi pendant Bah, on les vacances. était pendant un petit moment en froid. Ouais, mais là ça va mieux quand même, bon, pas de débat et tout. Donc du coup, on va vous présenter ça. On fait une ellipse pour la Non, pas besoin. présenter ou on commence? Go. On va commencer par les trucs les plus gros. Ça, je l'ai trouvé hier ou avant-hier. Alors, une gamelle trouvée dans un secteur où il y avait un petit peu de tout, allemand et français, impactée d'une balle. Ensuite, nous avons Une la gamelle, gamelle. ok. J'ai un bon état, mais ça a Attention l'air pas la plus tomber parce qu'il y a fragile. des trucs dedans. Il y a la morceau de bannière. Alors, comme vous pouvez constater, elle a été impactée de deux impacts. Un ici, Et là, qui est ressorti en dessous. Hein. il y en a aussi un là. Et le tien, il est ressorti de l'autre côté. Là. Bon, il y a un petit peu de tout, il n'y a pas que du militaria, mais on trouve principalement du militaria. Alors, ça, je te mettrai une photo pour que tu puisses la mettre en gros plan de ce que c'est. C'est une décoration de casque de pompier, sapeur-pompier. Et ça vient d'un casque de 1895, normalement. Sapeur-pompier, comme vous pouvez le voir. Briquet allemand Briquet allemand daté de 1890. qui est en bel état mais très rouillé. On galère beaucoup à l'ouvrir, On peut mais plus bon, faut pas l'ouvrir. forcer. Mais sinon, quand on l'a ouvert il n'y a pas longtemps, il y avait encore le coton d'origine dedans. Alors, si vous avez une idée de ce que ça pourrait être, enfin, on sait que c'est une plaque. Si quelqu'un peut nous aider à retrouver la personne qui a appartenu à cette plaque, l'identité allemande, j'essaie de vérifier à voir. Si quelqu'un peut nous aider à essayer de retrouver la famille ou tout ça. Ensuite, avec Une pointe de casque à pointe allemand. allemand, vous trouverez quasiment le sol avec la gamelle et puis le briquet. Aussi, on avait des cartouches allemandes avec encore le papier d'origine dessus, mais j'ai pas pu les transporter, elles sont trop fragiles au niveau du papier. Des clips de Berthier. Voilà. Parce que les cartouches étaient des cartouches allemandes avec tous les clips, il y en a moins une dizaine, voire plus, et il y a encore le carton d'origine aussi. Alors, ça, vous avez deux. Les infos du diable. Alors là, vous avez. Deux savons dentifrice Gibbs, pareil, un en meilleur état et un en moins bonne, comme vous pouvez le voir. Et on a un savon dentifrice à glycérine. Attends, ça, je vais le projeter. Alors là, nous avons un savon dentifrice avec glycérine, avec encore le dentifrice dedans. Et encore ce qui reste de dentifrice. En super bon état, trouvé hier. Ensuite, nous allons présenter ça. Du coup, ça doit être américain, je pense, si quelqu'un a une idée. Trouvé avec des cuillères, des fourchettes et tout plein de trucs de soldats. C'est écrit en anglais dessus. Voilà. Bon, on va attaquer les pièces. 10 francs de 1953. 53. Ah ouais, bah j'ai pas pris la bonne pièce alors. Bon, celle-là, je l'ai trouvée il y a pas longtemps aussi. Mais sinon, j'en avais trouvé une autre hier qui date de 1984. Bon, c'est la même pièce d'or, on dirait. Alors là, nous avons une pièce, je ne sais plus c'est quoi le nom, on mettra en montage, avec la version neuve, on va dire. C'est une Louis ancienne, je crois, ou quelque chose comme ça. Il faudra qu'on la mette. En annotation. Et ensuite, celle-là, je ne sais plus exactement c'est quoi. Mais si quelqu'un a une petite idée, genre c'est une pièce qui doit être en or, et dessus il y a écrit de Havard. On voit à un moment il y a écrit de Havard. Et je crois que j'ai retrouvé la pièce en état originel, que on mettra aussi en photo. Bah du coup on a fini. La petite vidéo de présentation, si tu veux voir une petite vidéo de quand on revient, on va dire. Donc on espère se retrouver bientôt.
pour de nouvelles vidéos. Et de nouvelles aventures, de nouvelles trouvailles. Bon, on vous dit à plus. Mais à plus. C'était Détection Fluen. À bientôt. Ciao. Ciao. Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini.